Kin Live, magazine proche du quinoa. Kin Live, la vie à Kin. Ici, ce sont les personnels scientifiques et administratifs. Nous sommes venus contester, nous voulons le départ du comité de gestion. Parce que nous avions remarqué beaucoup de choses. Jusqu'à présent, nous venons de faire à peu près 9 mois sans être payés. La prime interne, on ne nous a pas payé. Il y a des mémoires de DEA et des thèses qui ne sont pas défendues. Il y a réclamation également de manque à gagner, de l'argent qu'on a détourné. Lorsque nous avons vérifié, le recteur nous fait voir que c'est le ministre qui en est l'auteur. Nous réclamons le départ du comité de gestion à l'immédiat.
Nous ne voulons plus les voir ici, étant donné que nous sommes dans un état de droit. Nous ne voulons plus d'eux. Et également, nous voulons que ce soit une université. Pourquoi? Parce qu'il y a la haine. Quand vous arrivez dans des bureaux, la plupart des bureaux, dans un bureau destiné à 3 personnes, il y a 15 personnes, nulle part ailleurs. D'une même tribu. De même tribu. Donc nous demandons au président de la République de prendre une décision. Dégage, de signer vraiment dès ce soir pour que ce comité passe. Oui, c'est le chef de travaux Sakodi. Ça fait très longtemps que nous nous sommes battus pour que ce comité de gestion puisse partir. Nous avons écrit plusieurs fois aux autorités du régime passé, mais aucune réponse n'a été trouvée. Alors comme nous sommes dans un pays maintenant démocratique avec l'arrivée du président Fatshi, nous avons maintenant le devoir et le droit de demander le départ de ce comité de gestion. Donc c'est qui a brillé dans une gestion chaotique. Dans tous les aspects, aspects académiques, aspects financiers, aspects sociaux, environnementaux, tous les aspects sont très mal gérés. Nous sommes fatigués, il faut qu'ils partent. Bonjour, c'est le chef des travaux Ekila. Comme les amis viennent de le dire tout à l'heure ici, nous ne pouvons pas accepter un recteur qui est en train de menacer des professeurs, des scientifiques et des administratifs. Il a créé des milices au sein de l'université pour tabasser les enseignants. Donc nous demandons au gouvernement de faire partir ce messier dans l'immédiat. On a commencé depuis l'Assemblée, on était avec lui, on a essayé un peu de négocier, mais ça n'a pas tenu. Et aujourd'hui, on lui avait promis qu'on va descendre devant le rectorat pour revendiquer, on va appeler tout le monde qui puisse savoir qu'à l'IPEN, ça ne va pas. Il y a la saleté partout, donc on ne sait même pas vivre à l'IPEN, donc c'est une catastrophe. Même dans les auditoires, il y a des saletés comme vous ne pouvez même pas exister. Oui, il a révoqué pas mal de nos camarades. Il a même traduit d'autres personnes en justice. Donc c'est la toute première fois qu'un recteur puisse amener ses collaborateurs en justice. On comprend parce qu'il n'est pas de l'IPEN. Il vient de la Belgique, donc on ne connaît pas. Nous demandons au président de la République de révoquer M. Kimwanga, comme ils ont fait aux nos amis de Transco. Donc Kimwanga doit partir. Nous voulons plus sa présence ici à l'IPEN. Moi, je suis la CT Kanene Kidinda. Je suis de la recherche. Nous sommes ici pour revendiquer nos droits. Ça fait 8 mois. D'un pays mal. Alors nous sommes venus ici pour réclamer nos droits et pour qu'ils partent. Nous ne voulons plus de ces messieurs ici à l'IPEN. Merci. Bon, je suis chef des travaux, Christian Dinga. Mais c'est avec beaucoup de regrets et d'amertume avoir constaté depuis en date du 15 2015 le recteur Kimwanga a été nommé a zonio kola biso na nga ko sakanate aza ko révoquer biso aza ko suspendre biso alingi même revendication oyo et la pacifique alingi ko faire terre batino sur l'université yango to sengi na Félix Tshisekedi garant de la nation a révoqué dans l'immédiat comité de gestion. Ça fait déjà 8 mois que tu as impayé. Le dossier est en justice, le parquet général de la justice, a entamé la procédure et la caté. Il y a un autre sengi, le col à Tosali bateau, tu as encadré bateau, tu as ligné mobouluté, tu as revendiqué pacifiquement. Et tu es balongolaye, sikoyo avant de sauter kende. Je vous remercie. Français. Bon, nous disons simplement que Omoni Bateau Nyoso, ce sont des responsables, personnel de l'UPEN, chef de travaux, assistant, personnel dans son ensemble, professeur d'université. Nous disons simplement que pour Awa, que le pire n'arrive pas, Baya Kozua, Kimwanga na Bango, na comité de gestion na Bango Nyoso Bakende. Pour ceux qui baquettent, pour Bino Moboza, Kozora Solo, université la plus sale, ça sent mauvais partout. Papier partout, salité partout. Donc, sans compter sur le plan administratif, sur le plan scientifique, sur le plan environnemental, sur tous les plans. Ça n'a rien d'une université. C'est un machin. Nous demandons qu'il part aujourd'hui. Ceux qui m'ont la qualité, ils sont pas
ba mouvement kosi la te et kosi la kaka mukolo comité mobile ba oyo ba kokene yo so mona ba koma rectorat na couleur oyo o couleur ya bibembe o mona ba couleur do ya comité wa bien na e dojo na e ya ba loge et kosi mbate lelo banganga na bango ba kufi. Nous disons simplement il doit partir, un point entré, pas de négociation. Nazana message au pesa na mukonja mboka na lobby boy na ipen comité de gestion ipen eux mérité Guinness na répéter eux mérité Guinness ya mauvaise gestion depuis tobanda ba une mambo ba université na Congo na mambo ça etambola boété 10 minutes autozo le baba délibération et ont continué en plein mi session et ça les mana nous par conséquent to sengi na mukonja mboka so nazana souci ya paix awa alongo la comité de gestion au biso na bango to silana makambu ya to etali biso te gouvernement a décidé to s'incliner mais par rapport à ba transport na biso ya kati par rapport à ba révocation to sengi mukonja mboka alongo la comité de gestion oyo kimia ekozonga na ipen merci sali biso mabe ba ibi ba bomi ipen. Ils peinent sur le plan académique, et Koufa, sur le plan scientifique, comment administratif, pour le Bakou tout est. Sur le plan social. Sur le plan financier, et l'autre côté. Alors, par rapport à ça, c'est comme vraiment la souka. Batman Koufa n'a pas peine. Alors, on peut plus supporter. On peut plus supporter. Alors, par rapport à ça, nous demandons la révocation immédiate. Il y a un comité de gestion au Yamoui, il y a qui vont manquer à Bamba. Là, on va tout nommer dans AG. Ce sont des gens même arrêtés. On dit que ça, on a eu peine. Mango est là, papa, ça va, vous tout le une autorité, on a eu peine. Comment la stabilité? Ma femme, on est là. Ma femme, on est là. Ma jambe, on est là. Oh, ma longue, on est là. Il y a des agents à l'UPEN, parce que ça va faire au bureau, il va étudier un bon. Jusqu'à aujourd'hui, tout ça a 9 mois de paiement. Ce n'est pas normal. Merci. Tout le monde aussi va mandaler la boue, vous déclarez une boue. Il y a un manifesté dans l'actuel président élu parce que Azali perd l'état de droit. Il y a un autre dans le cadre des démarches d'instauration et l'état de droit. Il y a un commandant Moussala, notamment, on a eu peine, pas maté. On a eu peine pour sauter les salines. Il a doué pour les salines bafouées. Il a doué pour les salines violées. Donc, il a doué pour revendiquer sa liberté. La révocation arbitraire, la suspension arbitraire. Et puis, ce qui est grave, monsieur entretien du milice, Azou va instrumentaliser l'étudiant. Après, c'est moi qui vais te le dire. Comme on est Sili, pas maté, Azou va étudier à monter mon compte d'enseignant. Quand on va administratif, la université Oyo, ton site Omoni, peut-être que tu as enregistré ma carte. Étudiant, bazo, bête, même enseignant, bazo, bête, administratif. Nous avons instrumentalisation, manipulation, à motomoko, oh, ben, qui manga. Mais un autre signe, le père de l'état de droit, papa Fati, Ayako Sala, pour porter la peine, Ayako Benga la motoyo, oh, télévision, bon, sotawa, papa, Nabakisa, Nicolas Nyonso, tout le monde n'a pas tout, Nicolas Nyonso, pas maladie, manque à gagner tout le bâté, de Konanga Tolembi, Tolembi Akende, Akende, Nakende, Il y a un gouvernement qui a gagné. Tout le monde est là, Il y a des amis qui ont été engagés depuis 2013. Oui, ma camarade va être engagé depuis 2013. S'il est là, il n'y a ni prime institutionnelle, il va être la COGIT. COGIT est un frère interne, il va foutre à niveau université. Mais il se fait que tous les gens sont à moi de mai. Dans le mois de mai, il est dans le mois de février. Quelqu'un qui a une femme avec les enfants, à revivre sans qu'il va foutre. Dans le mois de mai, il est là, il va foutre à la société. Pourtant, les étudiants payent. Il y a des gens qui sont là, il y a des gens qui sont là, le comité de gestion, il y a des gens qui sont là, la caméra, preuve la caméra. Thank you.
kende Oui, naza étudiant na kata IPEN, naza na faculté à psychologie sciences de l'éducation. Bon, pour nabiso regreza parce que ba sete ba futi bangote. Lelo na lendi to monika to yaki na tango poto zaku to ziku te to moni basali greve na bango, c'est pourquoi étudiant pe ba monike tango tango ezate ba ye na sima ba assistant po ba sala de revendication na bango po na mbongo na bango bazo le la recteur a futa bango mbongo na bango lelo. Lelo to tangi te toza libanda tozo talakaka greve ba assistant na ba setende ba sali greve na bango lelo. Ah oui, oui, la manifestation des assistants et puis des chefs de travaux ont handicapé aujourd'hui que nous puissions bien fonctionner à l'Université pédagogique nationale. Parce qu'ils réclament leur paiement depuis un certain temps. Ils sont payés. Bon, pour nous, les étudiants, disons que c'est déjà un manque à gagner parce que nous sommes bien préparés aujourd'hui pour le cours, mais malheureusement, nous sommes venus trouver il y a des manifestations de CT. C'est là que vous êtes derrière les assistants. Bon, nous sommes là pour vivre l'événement au lieu d'entendre par les autres. Bah, si ça nous a handicapés, c'est vraiment un manque à gagner parce qu'on n'a pas cours jusque-là, parce que tous nos assistants, nos chefs de travaux sont là devant ces rectorats en train de pouvoir revendiquer leurs droits, bien évidemment. Nous sommes dans un pays démocratique, nous, les étudiants, nous saluons ces genres d'initiatives. Quand il y a un ça ne va pas, le peuple doit s'exprimer, donc c'est un peu ça. Trop c'est tôt, on n'a pas le droit de revendiquer. Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin.